Bonjour à tous, cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux. Le lien est dans la description. Bonne vidéo. Et rebonjour à toi YouTube, on est parti pour la deuxième session d'enregistrement de Stray, j'espère que ce petit let's play te plaît. Il y a beaucoup de temps mort, etc., etc. Je m'excuse, c'est le jeu qui veut ça. Dans tous les cas, nous sommes repartis pour la suite de nos aventures. Ah, j'ai eu une défaite, tiens, sur le game de glace. Donc c'est un jeu qui se joue à la manette, etc., etc., n'oublions pas. Et nous étions arrêtés ici. Donc nous incarnons ce petit chat ici que vous voyez, tout mignon, qui a perdu sa famille, hein, et qui peut faire plein de choses. Trop marrant. Je le contrôle quasiment pas. C'est bon, le sac est parti. Et si jamais on le souhaite, on peut se coucher comme ça, là, et être tranquille. Heureux à casa. On l'entend ronronner. Je ne sais pas si vous entendez. Est-ce que le son est assez fort? Là, vous devez l'entendre ronronner. Dites-moi si vous l'entendez ronronner, le petit chat. Non? Bah, attends, je vais monter le son, alors. Là, vous l'entendez ronronner ou pas? Voilà. Et regardez le robot à côté, parce qu'à côté, c'est un robot. Et chaque robot a une petite interaction, etc., etc. J'adore ce jeu. Donc, nous avons avec nous un petit compagnon qui est ici présent, d'accord? Et nous devons aller chercher des souvenirs. Sauf que ces souvenirs, il faut les localiser. Et franchement, j'ai du mal à les localiser, certains. Donc on en a trouvé trois, ici même, RIP Human, parce que les humains, ça fait longtemps qu'ils ont disparu de ce monde-là, et il nous en faut trouver d'autres. Celui-ci, on dirait qu'il est au bar. Et donc on se balade dans cette ville, Ange, en incarnant ce petit chat, ton mignon, alors ton mignon. Alors, j'aimerais bien le faire asseoir, mais j'y arrive pas. Tant pis. Et franchement, donc le jeu, c'est Stray, et il est absolument... Enfin, moi, je trouve absolument génial. Ah ah. Une succession de 0 et de 1. Ah. Donc on a le code ici. Il faut donc le montrer à quelqu'un pour pouvoir le déchiffrer. Intéressant ça. Je savais pas qu'il y avait ça là. En fait ici c'est plutôt les robots qui sont les maîtres du monde, Johan. Je sais qu'il faut chercher absolument partout ici, là où il y a un truc. Ah, monte en haut. Ouais, là où il y a un truc. Remarquable, les compagnons ont beaucoup évolué. Au début, leur IA de base se contentait d'imiter l'art humain. Maintenant, ils font ça tout seuls. Les humains disent souvent que créer est important dans les situations désespérées. On peut dire que c'est le cas actuellement. Yes! Trouve un nouveau souvenir.
Ça monte d'ailleurs ça. Oh oui, ça monte d'ailleurs ça. Ah, la classe. Oh, la classe ici. Oh, il y a une connerie pour Charles, on est d'accord. S'il te plaît, n'arrête pas, Vapora, elle est trop maladroite. La personne qui est en face, Vapora. Mais donc là, donc le but du jeu, on évolue dans ce monde, hein. À la recherche de différentes choses, je pense. Ouh, ça me semble greedy, hein. Ouais, Raoult, hein. Trop marrant. Il est pas content. Mince. Marrant. Donc nous, il nous faut monter là-haut. Également, on a une mission qui nous indique de monter là-haut. Il y a un saut ici pour redescendre pour après, d'accord. Oh, il y a un truc là, il y a un monsieur là. Ces cercles de lumière sont agréables à observer, mais je veux voir le vrai ciel un jour. Ah oui, ces cercles de lumière, hein. Exact. Oh, c'est sympa chez lui. Oh, c'est sympa chez lui. La Terre est la troisième planète. Après le Soleil, est la cinquième plus grande du système solaire en termes de masse et de diamètre. C'est vrai. À ce jour, c'est l'unique objet céleste connu pour héberger la vie. C'est vrai. Donc tout ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça ne marchera jamais! Pourquoi je les ai laissés partir? Je suis tout seul maintenant. Salut toi, qu'est-ce que tu veux? C'est un code binaire, bien curieux que tu as là. Seul un vrai geek peut lire ça. Ok. C'est une photo de l'extérieur, tu veux y aller? Miaou. Bah, te fatigue pas, c'est une perte de temps, tu ne trouveras que solitude et désespoir. Mes amis arrivaient aussi, maintenant qu'ils sont partis, je me retrouve tout seul. J'ignore où ils ont atterri. J'ai essayé de les contacter, mais cette mine de radio ne fonctionne pas. Mes amis et moi avons pris des notes sur nos recherches au sujet de l'extérieur. Tiens, prends les mains si tu veux, si tu tiens vraiment à y aller.
Carnet de Momo 1 sur 4. Tu es tout seul maintenant. Je ne veux plus entendre parler de l'extérieur. Bonne chance. Momo a l'air très triste, ses amis lui manquent. Laisse-moi jeter les carnets qu'il nous a donnés. Faire les urques, ok. Ok, il y a 4 carnets à trouver donc. Voilà. Oh là là. Il y a un sac en papier, on va arrêter de s'y prendre la tête dedans. Hein. Il n'y a rien à faire au niveau de l'évier. Oh bah tiens, on a un souvenir ici. Il y a une vache. Oh, back home 2. Je me souviens de ce jeu vidéo. Je crois qu'il date de juste après ma création. Ma mémoire est encore un peu floue. Avec le scientifique, on y a joué pendant des heures. C'est amusant. Il me manque. Pourquoi j'ai oublié son nom? Parfait, une nouvelle découverte. C'est pas mal. Extérioriste. Donc naturellement, comme tout bon chien, on va faire nos griffes sur le tapis, hein. Non, parce qu'après tout, hein, il n'y a pas de respect, hein. J'ai fait tomber les livres, lol. Trop marrant. Oh, les objets peuvent se casser. Trop marrant. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, lui, je pense qu'on peut le laisser tout seul. Il y a un digicode ici, tiens. Naturellement, une porte, on y fait les griffes dessus, hein. Je veux dire, à un moment donné, on est un chat ou on n'est pas un chat? Métallique. Alors, la ville a la forme d'un cylindre d'environ 450 mètres de diamètre. Il existe un niveau au-dessus d'une autre. La ville semble dotée d'un plafond. Si j'en crois mes livres, un grand ciel bleu est caché derrière. Oh, trop fun. Ok. Fouf. Bien sûr, une tapisserie. Hein, Johan, c'est pas ton chat qui dira le contraire, hein?
Eh bien, petit chat, tu cherches toujours ces carnets inutiles. Ta plante, là, elle se casse la gueule tous les jours, non? Ah non. Ah ça, c'est clair. Le symbole sur ce mur correspond à celui du carnet. Oh, bien vu. Ça pourrait être une piste. Ouais. Comment est-ce qu'on y va là-bas? Ok, vu le chemin. Dormir là non? Ah non. Oh, une partition. Parfait pour le musicien ça. On a deux partitions sur 8. Carnet de Clémentine 4 sur 4. C'est le même que celui que Momo nous a donné. On dirait que celui-ci appartient à une certaine Clémentine. Oh. Le plan se déroule comme prévu. On a réussi à contacter l'étage supérieur avant que la radio ne tombe en panne. Ils sont dans un lieu appelé Centre-ville, qui est visiblement contrôlé par une sorte de force répressive. J'ai parlé à Momo tout à l'heure. Ses yeux, je connais ce regard. Il ne viendra pas avec nous. Trouvons les autres carnets. Carrément. Rien d'autre à faire ici? Non. Je ne pense pas. Il doit y avoir moyen de tout faire dévaler là, mais je sais pas comment. On aurait manqué. Je pense qu'on aurait manqué. Il y a cette icône là-bas. Donc il y en a un là-haut, il y en a un là-bas, il y en a un autre là-bas. Je pense, hein. Je pense. Celui-là là-bas, on y accède avec l'échelle et le distributeur. Donc ça sert de monnaie d'échange. Succès déverrouillé, chat perché. Il a réussi à allumer la télé, quoi.